Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui est une rubrique basée sur les techniques d'intensification. En quoi ça consiste? Tout simplement, quand tu t'entraînes, plutôt que de faire des séries 10, 15, 20, où à un moment donné ça ne donne plus de résultats, on est obligé de passer avec des techniques beaucoup plus impactantes, des techniques de niveau supérieur, donc ce n'est pas pour les débutants. Mais si tu stagnes et que ça fait un moment que tu t'entraînes, tu vas voir, ça va t'apporter beaucoup de progression. Des techniques, il y en a plein, il y en a certainement que tu connais. Moi, je vais faire plutôt celles qui ne sont pas très connues ou celles que j'ai inventées ou remodelées ou qu'on m'a données en tant qu'athlète. Et je vais donc te les faire partager pour que tu puisses continuer à prendre du plaisir à t'entraînement, éviter la stagnation. Et quand on fait toujours le même programme, à un moment donné, on s'ennuie. Donc ça, c'est pour l'introduction. Sur les autres vidéos, je vais aller beaucoup plus vite. On va directement aller au cœur du sujet. Donc aujourd'hui, on va voir la première méthode qui s'appelle la méthode Big Kahuna. Donc c'est une méthode qui vient du Canada. Le protagoniste, c'est Christian Thibodeau, qui est un célèbre entraîneur et qui a donc développé certaines techniques. Il y en a plein d'autres. On va les voir. Celle-ci, je la fais en ce moment avec des athlètes et moi-même. Et j'ai beaucoup de retours positifs et je trouve qu'elle te donne une parfaite sensation musculaire idéale pour ta progression. Donc je vais prendre un exemple concret sur un exercice de base et tu vas voir un peu comment ça se déroule. Les techniques d'intensification, premier épisode, c'est parti! On va faire donc un exemple sur le rowing assis guidé. Donc là, je le fais chez moi, hein, dans mon home gym. Donc c'est pas forcément celui que tu as en salle, mais tu vois l'idée. Donc on va faire sur ce premier exercice 2 à 3 répétitions charge max. Donc là, on met le plus lourd qu'on peut et on fait 2 à 3 reps à son max. Puis, tout de suite après, on enlève une plaque de chaque côté et on va faire 4 répétitions. Suite à ça, on va pas enlever de poids, on va continuer l'exercice. Mais avec un tempo imposé. On va faire ce qu'on appelle du 3-3. 3 secondes aller, 3 secondes au retour. Et on va faire ça jusqu'à arriver à la rupture musculaire. Ça peut prendre un certain temps si tu as pas mal d'endurance. Mais une fois que tu t'es enquillé lourd, charge moyenne, plus continuer à un tempo lent, tu vas voir que ça te donne une sensation de congestion dès la première série. Donc en résumé pour cette méthode, on fera en tout donc 4 séries par exercice, 2 à 3 répétitions charge max au début, puis on enlève du poids, donc à peu près 20%. On va faire 4 répétitions vitesse à bloc et tout de suite après, sans changer de poids, sur la même série, j'enchaîne du 3-3, 3 secondes aller, 3 secondes au retour, avec un tempo donc très lent jusqu'à arriver à une rupture musculaire complète. Je t'invite à tester cette méthode pendant un mois, donc dans ton programme, sur 1 à 2 exercices par séance, c'est pas toute la séance comme ça. Si tu veux de l'aide pour construire un programme ou directement avoir un suivi avec la nutrition compris dans le programme, on a bien sûr l'offre Programme Premium que je développe depuis plusieurs années avec ma femme diététicienne. Pour me donner de la force et me motiver à continuer, je t'invite donc à liker, à partager et à t'abonner. Une fois que tu auras testé cette méthode, je t'invite à mettre un commentaire sous la vidéo pour me donner ton ressenti. Et moi donc, je te ferai une autre vidéo le mois prochain sur une autre méthode, en alternance avec les autres vidéos sur l'entraînement, sur mes compétitions, la diète, etc. Mais chaque mois, tu as ta méthode, tu mets en pratique et on fait un petit feedback ensemble. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne congestion.